Invité de TPMP People ce samedi 18 mars, Philippe Candeloro a dévoilé le pactole qu'il a gagné en seulement 4 jours dans la ferme Célébrité en 2010. Le sportif était venu en tant que guest. Ce samedi 18 mars, Mathieu Delormeau présentait un nouveau numéro de TPMP People sur C8. Entouré de ses chroniqueurs dont Sophie Coste, Laurent Fontaine, Isabelle Morini-Bosque, Benoît Dubois et Jean-Michel Maire, l'animateur recevait l'ancien champion de patinage artistique, Philippe Candeloro. Le sportif est revenu notamment sur sa courte participation dans l'émission La Ferme Célébrité en 2010 en tant que guest. L'émission était présentée par Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Foucault sur TF1. Si je ne le fais pas pour l'argent, aujourd'hui je suis quoi? Interrogé par Mathieu Delormeau, Philippe Candeloro a expliqué la raison pour laquelle il a participé à la ferme Célébrité. Il y a ceux qui ont fait la ferme et à qui ça a lancé une carrière. Moi, je n'arrive pas à lancer une carrière en faisant la ferme Célébrité. J'ai bien tiré mon épingle du jeu car j'y suis allé comme invité. Je n'ai pas passé que 4-5 jours là-bas, en Afrique du Sud, note de la rédaction. Je n'ai pas fait la ferme en me disant que j'allais peut-être trouver un rôle au cinéma. Heureusement parce que sinon, j'aurais vite été déçu. Et de révéler, je l'ai faite aussi pour l'argent, il ne faut pas se cacher. C'était une belle proposition financière. Si je ne le fais pas pour l'argent, aujourd'hui je suis quoi? Je suis dans la rue. L'ancien champion olympique a ensuite dévoilé le pactole qu'il a gagné en seulement 4 jours passés dans l'émission, ça devait être 50 000 euros. En 4 jours, si est-il bien, s'est-il vanté? Un salaire à 4 chiffres pour Philippe Candeloro à France Télévisions? En parlant d'argent justement, Philippe Candeloro avait évoqué son salaire en tant que consultant sportif sur le plateau de l'Instant de Luxe en septembre 2021. Ne souhaitant pas dévoiler le montant exact de son salaire, il avait toutefois évoqué une fourchette entre 2000 et 2800 euros pour chacune de ses interventions. J'ai toujours dit que j'étais très bien payé à la journée pour ce que je faisais, sauf que je ne commente pas un match de football tous les week-ends. Donc en ne bossant que 10 jours par an avec France Télévisions, ça ne peut pas me faire vivre. En revanche, quand il y a les Jeux Olympiques, si y est-il une période un peu plus longue donc je le dis, oui, si y est-il beaucoup, a-t-il déclaré. À lire aussi j'ai abîmé la hanche droite. Philippe Candeloro se confie sur ses nombreuses opérations en raison du patinage artistique.